La chanson avance. Les parents d'élèves, les enseignants,
et tous les membres qui sont en train de passer pour venir dans cette mosquée bénie qui est la mosquée de Abouba Kalisubie, rendu à la direction de l'école m'a chargé de vous envoyer un message qui est très très intéressant, que tout le monde doit écouter et pratiquer. Ça nous intéresse tous. Ces invités parents, enseignants, après avoir vous salué, permettez-moi de parler sur certains points. Les étudiants ont le droit, les parents ont le droit et les enseignants aussi ont le droit. Il n'y a pas eu le droit d'élèves sur les enseignants, de les éduquer et les surveiller et les enseigner à l'école. J'espère que pendant ces 10 mois qui sont passés, 10 mois des études, ils ont fait cela, ils ont fait beaucoup d'efforts. Moi, je suis parmi les témoins qui partent à l'école, je témoigne ça beaucoup. C'est demander aux parents d'élèves qui n'ont pas payé les frais de scolarité. Dans ce cas, c'était difficile à l'école, comme nous tous, nous savons. Dans la vie d'aujourd'hui, les enseignants qui sont là, ils peuvent aller au marché, aller faire le commerce comme tout le monde. Mais ils ont laissé cela, ils ont préféré le travail qui est le meilleur travail. Enseigner les enfants, enseigner nos enfants, ça c'est très, très intéressant. Parce que l'enseignement qui est la meilleure solution pour la vie d'un homme. Dans ce cas, nous saluons encore ces enseignants avec les directeurs pour les efforts fournis pendant toute l'année scolaire. Qu'Allah facilite à tout le monde qui n'ont pas payé les frais de scolarité d'aller payer. Dès demain, celui qui n'a pas payé peut aller. Il y a certains qui ont payé un peu. Ils n'ont pas pu compléter le reste de l'année. Il y a d'autres qui ont tout payé. Nous demandons qu'Allah bénisse tout le monde et vous encouragez aussi d'aller à l'école. Parce que les enseignants avec les directeurs travaillent ensemble. Si ils n'ont pas eu leur salaire, est-ce que l'année prochaine, ils vont partir à l'école pour enseigner les enfants? Non, dans ce cas, on ne pense pas. Même s'ils font les efforts là à cause d'Allah, mais eux aussi, ils ont des charges, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont leurs proches dans nos pays différents. Deuxième point que nous demandons toujours aux parents d'élèves de faire, c'est ça aussi, c'est très intéressant. Nous sommes maintenant à la fin de l'année. Surveillez les enfants à la maison. Surveillez les enfants à la maison. Surveillez les enfants, dites-les chaque moment de réviser leurs leçons. Dans l'école, chaque jour, quand les enfants se retrouvent à la maison, ils vont retourner avec les devoirs. Ils retournent à la maison avec les devoirs. Les enseignants ont la difficulté dans ce cas-là parce que certains élèves retournent à l'école demain. Ils n'ont pas fait leurs devoirs domicile pour que les maîtres aient donné les devoirs. Mais dans ce cas, les défauts à qui? Les défauts aux parents. Parce que la part des parents, ils ne suivent pas l'enfant. C'est bon, quand l'enfant quitte l'école pour venir à la maison, tu regardes son sac. Est-ce qu'il y a les devoirs ou non? S'il y a les devoirs, tu l'obliges de faire son devoir. Mais toi, quand même, tu fais seulement les scolarités, mais tu ne regardes pas, tu ne partout pas à l'école. Ça aussi, c'est pas bon. Respectez l'heure d'aller à l'école et retour. Parmi les parents, pour accompagner leurs enfants à l'école, ils partent en retard. La classe rentre à 7h30, mais certains parents vont à l'école à 9h. Et ça, c'est normal. Ils trouvent que la porte est déjà fermée. Arrivé maintenant, les cours sont déjà commencés à l'école. Ils commencent à frapper la porte. Ouvre la porte, ouvre la porte. Et aussi, ils ne peuvent pas dire non.
Parce que s'il dit cela aussi, il faut dire que le bandit là, il est méchant. Moi, je suis venu avec mon enfant aujourd'hui, sinon je suis en retard. Il n'a pas ouvert la porte devant moi. Donc, dans ces cas, on doit quitter la maison tôt le matin, 6h, 7h, il fait la préparation de tes enfants pour les accompagner à l'école. On demande surtout les papas, les pères de ces enfants-là. Ils ne partent pas à l'école. C'est bon, minimum chaque mois, il faut aller rendre visite à l'école. Demandez aux enseignants qui sont là-bas, mon enfant, il est comment? Il est poli, il est impoli à l'école. C'est bon de savoir tout ça. Il faut avoir aussi le contact de l'enseignant qui sont là-bas. Peut-être, si l'enfant est malade, il peut appeler le directeur ou l'enseignant. Ah, aujourd'hui, mon enfant, il ne peut pas partir à l'école parce qu'il est malade. Il faut dire la cause. La cause qui l'a empêché d'aller à l'école, il faut dire ça aux enseignants. Ça va les encourager. Ça va les encourager. Donc, nous arrêtons cela. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cette école qui est Modassatul Falahi wa Najahi. Quand nous montrons votre année, on va célébrer ensemble la fin des fermetures de l'école. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shukran Oustazuna à la série des conseils. Maintenant, un dernier point. Avant de partir, avant de proclamer le résultat de la quatrième année, c'est la question du bulletin. Le bulletin, oui, le maître français, lui aussi, il aura un mot à dire de tout ce qu'il a pu faire cette année-ci. Mais avant que je ne lui passe le micro, demain, il y aura la remise des bulletins. Attention, ce bulletin nous fatigue. Tout au long de l'année, nous le fabriquons. On n'a même pas de l'argent. Souvent, on le fait en bon. Mais on demande aux parents de venir récupérer le bulletin. Il traîne, il ne vient pas. Il y a un peu à payer. Mais les choses vont changer. Tout parent qui ne va pas récupérer le bulletin de son enfant, même s'il a échoué, l'année prochaine, il n'aura pas l'inscription. Ou bien, on va lui mettre une pénalité, il va payer. Le bulletin doit être à 2000 francs. Mais s'il ne récupère pas à temps, l'année prochaine, pour récupérer, il va payer 7000 francs avant de faire l'inscription. Toute personne qui n'aura pas son bulletin à main de l'année passée, pour l'inscription, il ne sera pas là. Si on n'est pas inscrit à une école, on ne peut pas apprendre. Vous nous obligez à prendre certaines mesures, pardon, dès demain. On vous accorde une semaine à partir de demain de retirer le bulletin de votre enfant. L'année prochaine, l'inscription va se faire avec ce bulletin. Toute personne qui ne va pas récupérer, il sera en charge responsable de la continuité. Sans tarder, je passe le micro à monsieur l'enseignant, le responsable du parti français dans cet établissement. Il va vous faire aussi son mot d'allocution. Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Joseph, responsable de la famille française à Rennes-Nandia Ouassara. Chers directeurs, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers invités, chers élèves, je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu et souhaiter la bienvenue, adresser mes chaleureuses salutations à tous ceux qui nous ont soutenus financièrement ou matériellement et ont répondu favorable à notre invitation. Merci aux parents d'élèves d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être au rendez-vous pour vos enfants. En effet, aujourd'hui, coïncidant avec la célébration de notre fête de fin d'année constitue une occasion marquante pour constater le travail titanesque et les efforts inlassables abattus par l'ensemble du corps enseignant et des élèves. Ainsi, je tiens à remercier l'ensemble de la population
pour l'accueil chaleureux qu'elle nous a réservé et prier qu'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de vous gratifier davantage. Un grand merci à notre cher tuteur et tutrice, toute la population, car vous ne résignez jamais et vous sacrifiez votre précieux temps pour impulser l'école pour que soit le meilleur. Dans le plan régional. Par la prochaine, je remercie tous les enseignants ici, présents, constituant une armée à la chasse de toute forme d'ignorance. À vos chers parents, vous n'êtes pas à reste, car vous constituez un maillon primordial pour la réussite des élèves. Votre engagement, votre sens de responsabilité ne sont plus à démontrer. À vous, chers élèves, le temps est précieux. Il faudrait y profiter pour réviser le maximum possible avant les ouvertures. Je ne saurais terminer sans adresser mes vifs remerciements à tous. Et comme le disait Abba Teba, merci est un petit mot qui ne sort de la bouche qu'après un geste gratuit. Merci à tous les parents d'élèves, merci aussi à tous les parents qui ont la confiance à notre école, à Nadia Wassalam. Et Inch'Allah, l'année prochaine, il y aura la 5e année. Prions que ces élèves qui feront la 5e année, tous seront reçus à leur concours du 5. Dieu les remercie. Parce qu'aussi, l'éducation, c'est primordial pour l'enfant. C'est tellement important. L'enfant doit faire tout son temps à étudier. Et je remercie tout le monde. Et je vous dis, la signature des bulletins aura lieu à partir de demain à 8h. Et il faut venir récupérer le bulletin de votre enfant. L'enfant travaille 10 mois et tu refuses de venir récupérer son bulletin, c'est zéro. Parce qu'il ne faut pas inscrire ton enfant en tant qu'il n'a pas pris son bulletin. On vous demande, s'il vous plaît, de venir récupérer le bulletin de vos enfants, de connaître le travail de vos enfants. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Maintenant, nous allons passer à la proclamation des résultats du 4e. Et bien avant cela, la cérémonie que nous avons pu trouver pour notre chère fille, sœur, Valérie Fonaté, tout à l'heure, et même Sarasa, va nous honorer de le remettre au représentant des parents d'elle. Lui, il va s'en charger et aller déposer ça à la famille. Silence, s'il vous plaît. قال منا أولى الله صلى الله عليه وسلم من
Bismillah.